Et bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode. Oui, je sais que dans le troisième épisode, on n'a pas fait énormément de choses, on a développé un peu plus, enfin, on a essayé de gérer en fait notre nourriture. Ce fut un beau bordel, mais là, ça va, on est plutôt bien. Et on a débloqué le comptoir de commerce où qu'on peut négocier et il faut qu'on échange pour 10 000. Donc là, la petite chose que j'aimerais voir, si je peux en acheter pour éviter que ça tombe malade, c'est quelques remèdes. Voilà. Et j'ai pas mal de laine. On va voir si la laine se vend. La laine est là. Si j'en vends 200 de laine, il m'en restera déjà 99. Vente, j'achète. Ouais, il y a des taxes hein, quand même. Mais ça me fait un bonus de 600. On va faire ça. Ça me rapporte pas mal. Bon, et comme on avait dit, on n'a plus du tout de remède. Donc s'il y en a qui tombent malades ou il se passe des choses, on est légèrement dans la mouise, hein, clairement. Hop. La quantité d'outils est faible. Ah oui, c'est vrai, il fallait qu'on fasse des outils. Bâtiment, magasin d'outils en pierre. Moi, c'est cool, il était recherché immédiatement. Recherche terminée. Oui, je viens d'en sortir. Bâtiment d'outils en pierre. On va l'acheter immédiatement. La carrière de pierre, elle est là. On va le mettre nez à côté comme ça. Là. Gestion, on va lui demander d'y stocker les outils. Outils en pierre et outils en acier comme ça. On va pouvoir tout stocker. Et je pense qu'il va falloir que j'améliore ça. Ça coûte super cher. On peut peut-être... Regardez, hop. Ça va me faire un petit 20% en plus de pierre. Ça va diminuer le bois. Mais c'est pas si grave que ça. Ils veulent toujours des maisons, on va demander d'en reconstruire une. Donc là, on a 20 remèdes qui sont en achat qui arrivent bientôt. Ça va être cool. Croissance 13%. Croissance 6%. Tout en train de pousser en termes de remèdes. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants qu'on pourrait débloquer? Petite brassée de bière, mais en même temps je viens de vendre tout le blé, donc ça sert plus à rien. Un port commercial. Port de commerce. Ça pourrait être intéressant. Il va me falloir une carrière. En fait, ça c'est les petits bonus. Voulez-vous vraiment dépenser 500 pièces pour acheter 80 de bois? C'est pas dégueulasse. Mais ça va me mettre dans le mal niveau thune, alors je voulais agrandir mon territoire. En fait, vaut mieux que j'achète. On va acheter vraiment cette zone. On a débloqué la culture du raisin. Tac, 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 tac. Non, il n'y a pas de culture de raisin. Tu veux dire que je peux venir piquer les ressources? Vous avez payé 0 à Rouen. Cool! Mais du coup, ils vont peut-être être mes ennemis maintenant. J'essaie de les piller. À mon avis, c'est moins cool. La maison elle est en construction là. Puis là aussi. Alors du coup on aurait débloqué l'agriculture du raisin. Je suppose qu'il va me falloir un champ. Faut toujours des champs. On va le mettre... Hop!
On va s'en faire un beau petit là. Comme ça, c'est parfait. Il va falloir de toute façon une maison à côté. Et on va y mettre... alors... Où est... Ça, c'est ok. Là, on est plutôt parfait, comme ça, ça s'est relié, on va pouvoir y faire un petit peu de vin. Ils vont construire ça là-haut. On va y reconstruire un bûcheron là-haut parce que ça manque vraiment, mais vraiment de... De bois. Je suis limite et il y a plein de trucs que j'aimerais améliorer. Et je n'ai plus d'outils. Ah oui, où j'ai mis ma fabrique d'outils, moi? Ah. Elle est là. Donc ils ont toutes les ressources. Ils sont en train de la construire. Ce serait bien que ça speed un petit peu, on va accélérer tout ça. Comment il leur faut des outils. On leur demandait de mettre un stockage vraiment en mode un peu aléatoire, comme ça ils pourront stocker ce qu'ils veulent là-bas. Des oranges, on en a des tonnes des oranges, on va en vendre. Il faut mettre, si je mets un moins de 100, il y a des taxis. Voilà, hop, on récupère un petit billet de 1000. On est bientôt là-haut, accroître la population. Il faut qu'on atteigne les 100 de population. Ça y est, ça commence à produire, on a nos outils en pierre. Remède, il en reste qu'un. Mais c'est pas très grave. Là, ils sont en train de... Je crois qu'il n'y a pas de stockage pour eux là-haut. On va leur demander de faire ça là. Et on va leur demander de remettre... un autre champ à côté. Non, tu vas tout mettre en herbe médicinale. Donc là, ils vont tout ramasser. Et on va leur demander de le mettre en cannabis pour le prochain. Comme ça, on va voir qu'est-ce que ça va me rapporter ou pas. Ça construit là-haut. Non, je voudrais des vignes là. C'est magnifique. Ah, il a mis une rangée de blé, merde. Ouais, j'avais pas checké avant, dommage. Il manque vraiment de stockage un peu partout. On va leur donner un accès de stockage là, assez grand. Alors, en termes de ressources, on est bon en nourriture, on est même bon maintenant, ça c'est propre. On arrive même à avoir un peu plus d'oranges. Et d'en vendre de temps en temps pour gagner un petit peu d'argent, ça c'est cool. D'ailleurs, en parlant de ça... Je paye 168 pour 100 oranges. Et si je monte à 200... Ok, ouais, j'ai à peu près la même taxe à chaque fois. Le cuir, ça peut être intéressant de le vendre s'il coûte cher. De toute façon, le cuir, il va forcément revenir. Hein. Et on va vendre le trop plein de laine que j'ai aussi.
J'ai pas de lait. J'ai dit c'était de la laine qui me fait. J'en ai mis un peu trop. Ah, encore un peu trop. Voilà. Hop, commercer. Du coup, en fait, maintenant j'ai des ressources en trop qui me permettent d'avoir mes. Ah ouais, ça me permet d'avoir vraiment masse choses. Il va falloir vraiment que j'améliore. Produit des maisons. Il me faut des maisons niveau 2. Je vais débloquer ce que j'ai là-dedans que j'avais pas débloqué. Ah, ça y est, je manque de trucs apparemment. La carte du potier. Non, on va pas l'acheter. Argile non plus. Les meubles. Remarquez, je commence à être bien en bois. On peut l'acheter. On va tenter de faire des meubles. Tenez. Où est-ce que je pourrais mettre le truc? On va le poser là. On va leur demander de construire tout ça. On est en hiver. On a pas mal d'herbes médicinales. Ça en est tranquille. On a personne qui se plaint sur la carte de pas avoir de maison. En même temps, maison, on est pile poil. Et du coup, on va s'attaquer vraiment là. Qu'est-ce qu'il leur faut pour passer niveau 2? De la bière. Alors, il me faudrait des champs de blé. Là, j'ai des champs tout sauf le blé. Ok. Le cannabis. Eh ben, il est en bas. Du coup, ça va peut-être les faire développer. Ah, les meubles! La poterie ou les tulipes. Eh ben, le cannabis est en route. Les meubles, c'est là du coup. Du coup, on va leur demander de construire sauvegarde automatique. Gestion tout refusé. On va leur demander de mettre que les meubles dedans. Comme ça, il sera dédié juste aux meubles en face. Poterie, à mon avis ça va être par là. La meuble. Et du coup il me faudrait peut-être une zone de stockage là. Juste pour le cannabis. On refuse tout et on va prendre que le cannabis. Croissance de 100%. Ça c'est propre. Ah mais c'était les anciennes, ok. Là ils vont construire tout ça. La petite zone qui vient d'être agrandie de l'autre côté là-bas, elle en est où? On va leur demander de garder le vin là, oui. Mais le bois... On va leur demander de poser le bois là-bas. Alors ça y est, j'ai vu quelqu'un qui n'avait pas de maison. Ça commence. Il n'y a plus de maison qui est en construction là? Non. Eh ben, on va leur demander de refaire une petite maison là-bas, tenez. Et une autre dans le coin là. Il a terminé le stockage du cannabis qui est en croissance, c'est parfait. Alors, atelier de meubles. J'utilise un petit peu de pierre, ça va. Alors par contre, niveau pierre, on est très très short. Hein. Ok, la recherche est finie. Félicitations, première maison niveau 2. Vous avez reçu une carte de traité économique. D
diminue l'entretien de... meuble, coût d'entretien. 20. On va le mettre là, tenez. Du coup, ça me fait 6 entretiens. Alors ça, c'est intéressant de traiter économique quand même. Bon, oula, on a 3000. On va pouvoir s'étendre, je pense. Agrandir notre zone. Alors, je viendrai bien ici. Minerai de fer et de la pierre. Et là, on a de la pierre. Je viendrai bien là pour tester l'industrie du fer. Comme ça, on est juste à côté. On reste dans le même coin. Allez, on va vraiment débloquer mine de fer. On va la prendre. Et on va débloquer en même temps celle-là. J'ai un territoire qui devient énorme. Je suis assez content. Alors, plus 20 de production, plus 1 de bonheur chaque de consomme de ressources en moins. Ça, je vais le prendre. Et je le mettrai bien sur lui. Ça me réduit, mais d'un coup, la production de bois. Quoique, c'est la production de pierre, en fait, qui... On va réduire ça, parce que ça prend de la pierre et du bois, et... Ça va super vite, hein. Hop, vu que là, à côté, il y aura... une mine. Rouen aux offres 100 d'or pour de bonnes relations. Bah, pourquoi pas. Et bah pourquoi pas. Alors, j'aimerais bien essayer de finir ça. On a 84 sur 84, ils vont encore manquer de maison tous. Il y en a une en construction, parfait. Négocier. Alors. Ah, je vais enlever tout ça. Outils de construction. Est-ce que ça me rapporte 400? Ça me rapporte pas énormément. On va revendre un peu de laine. Hein. Allez là, la laine. Hop. Moins 100 avec. A été améliorée niveau 3. J'ai fini ma quête. Cool. C'est quoi, Brombron Girl? Félicitations, première maison niveau 3. Félicitations, quête d'or terminée. Échanger 10 000. Carte de récompense. Loi de la société. 10% de taxes en moins pour les compagnies commerciales. Je n'ai pas de port commercial. Il serait peut-être temps d'en faire un, non? C'est vrai, la mine de fer. J'allais l'oublier, celle-là, moi. Alors, hop, on va y mettre un petit stockage. Allez, juste à côté. Gestion des stockages, tout refusé. Minerai de fer. Minerai de fer. Et pour être tranquille... Allez, tu vas y mettre une petite maison à côté, comme ça ils travailleront direct, ils sont vraiment à côté de leur taf. C'est cool, le raisin, il évolue pas mal. Bien de niveau 1. Le cannabis. C'est vrai que depuis tout à l'heure, ils me disent que mes maisons ont été améliorées. C'est... What the fuck? Ça, c'est la première maison, la deuxième et la troisième. Mais c'est super cool, ça. Ah, puis ils peuvent y stocker, du coup, 5 personnes. Ah oui, je suis passé à 103 sans rien faire, sans faire de nouvelles maisons. Mais ça, c'est super cool. Putain, je m'attendais pas à ça si vite comme ça. Il leur faudrait une cheminée et pour améliorer ça, il me faudrait des trucs rouges de la briqueterie. Nous sommes en hiver. Nous n'avons plus de soucis de nourriture et plus de soucis de bois. Et nous venons de débloquer la zone vraiment... Voilà. Pour faire tout ce qui est niveau fer.
C'est super cool, super cool, super cool. Et j'ai encore un arbre technologique. On va pouvoir améliorer la recherche du Moyen Âge. Et ben du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Vraiment. Et dans le prochain épisode, et ben en arbre technologique, on débloquera le Moyen Âge. Voilà. Sur ce, moi je vous dis un grand merci à tous d'avoir regardé ce quatrième épisode et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde.